Centre de contrôle, nous avons repéré une perturbation électromagnétique radiante à 40 degrés à bâbord. Veuillez vérifier l'autorisation du trafic satellite. Terminé. Bien reçu, SS. Nous captons un signal à bâbord, mais le JPL estime qu'il proviendrait d'une faible émission solaire. Bien reçu, centre de contrôle, mais nous n'avons pas de signal de particules. Le capitaine Peters va faire une visite de maintenance pour confirmer l'autorisation. ISS, nous avons un visuel de quelque chose d'inhabituel à bâbord. Si le capitaine Peters est déjà sur place, il pourrait nous décrire ce qu'il voit. Centre de contrôle, ici le capitaine Peters. Il y a quelque chose en dehors de la fissure. Capitaine, il y a une grosse masse qui s'approche à bâbord. Le radar et la télémétrie de l'observatoire tentent d'évaluer approximativement ce que c'est. C'est peut-être juste de la poussière soufflée par le fuselage de la valve d'évacuation, ou... Attendez, j'ai un visuel. C'est sombre. On dirait un... À 6h08, heure standard, l'observatoire... Henri, tu tiens encore le combiné trop près du récepteur. Ce que je disais, c'est qu'à 6h08, à l'heure de l'Est, l'observatoire Delta du Kren a enregistré ce que tu avais prédit. Une augmentation du dioxyde de carbone et du sodium dans la troposphère martienne. T'as fait une annonce micro juste pour ça. Est-ce que ça ne prouve pas tes dires une bonne fois pour toutes ? J'ai jeté un coup d'œil à ces images. Et... J'avais raison. Le mont Olympe va entrer en éruption aujourd'hui. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, il a bien choisi son jour pour entrer en éruption. Mais enfin, ça confirme ta théorie. Je veux juste fêter ça en grande pompe. Tu viens d'entrer dans l'histoire. Une éruption de cette taille est sans précédent. La plupart des scientifiques pensaient que le volcan était endormi. Crois-moi, ok, je me sens légitimée. Après 10 ans à m'abîmer les yeux pour suivre les changements topographiques et les signatures chimiques du mont Olympe, j'allais quand même pas manquer ça. Je crois savoir que Junie l'a pas très bien pris quand on t'a appelé aujourd'hui. Elle était furieuse. J'avais promis d'être là pour son bilan de santé post-opératoire. Et tu m'as appelé. Marc est avec elle, mais c'est pas comme ça que je voulais être élue belle-mère de l'année. Tu sais, je pourrais te remplacer. Tu pourrais me donner une promotion. J'en ai marre de rester dans ton ombre, en plus. Mais que vont penser les autres? Je peux pas te donner de promotion, t'es mon frère, on va dire que je fais du favoritisme. Allez, fais-le! En plus, tu m'en dois une. Quoi? Je t'en dois une? Absolument. Pour toutes les fois où je t'ai couvert, j'ai fermé les yeux quand tu prenais ma voiture pour tes petites virées nocturnes, hein? Ok, mais ça vaut pas une promotion. Tu avais 12 ans. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je le mets sur le moniteur. Notre télescope a pris ces 3 images de Mars il y a 15 minutes. Wow. Ouais. Tu vois ça? Cet éjecta s'est déplacé incroyablement vite. Ça viendrait de l'éruption initiale? On dirait bien. Wow. La force qu'il a fallu pour projeter un tel objet dans l'orbite martienne a dû être conséquente. Ouais, avec cette vitesse, la roche solide aurait dû se désintégrer dans l'atmosphère. Son enveloppe extérieure doit être composée d'une sorte d'élément cristallisé. Au vu de sa trajectoire, on peut appeler ça un astéroïde et on pourrait le qualifier de géocroiseur. Tu veux que je donne l'alerte? Ouais. Mets en copie tous les organismes, la NASA, le JPL, les sociétés météorologiques, tout le monde. Il y a aussi cette signature chimique très étrange, on dirait une sorte de chlorure d'hydrogène. Et comme s'il rejetait une énorme quantité d'azote sur son chemin. Mais j'arrive pas à comprendre ce qui produit le chlorure. Attends, ils viennent tous de Washington, DC. Tous les observatoires sont en attente de directives militaires. Lieutenant, l'impact sur l'ISS a eu lieu quand? Il y a 11 minutes, monsieur. Oh non. Regarde les caméras, on a déjà de la compagnie.
Ça doit être les directives militaires dont parlait notre alerte. Du nouveau de la part du Pentagone? Non, monsieur. Juste, rejoignez le professeur Allison Fisher à l'observatoire Falcon et suivez les instructions. Écoutez-moi bien. Ça va vite dégénérer. On agit contre l'arrivée d'un astéroïde, c'est compris? Compris. Les chefs d'état-major ont dit que la nature de l'objet reste inconnue jusqu'à ce qu'on arrive à l'identifier. Je sais, mais si on donne pas d'infos précises, tous les illuminés conspirationnistes vont se ramener. C'est compris? Compris. Allons-y. Allons les voir. Très bien. Je viens de recevoir une alerte. L'ISS a disparu des radars. Quoi? Il y avait une douzaine d'astronautes à bord. J'ai travaillé avec ces gars pendant un an. Ok, ça pourrait juste être un bug au niveau du récepteur. Non, non, non. Enfin, peut-être. Tu vois ce qui est écrit? Un gros objet s'est approché de très près de leur capteur. Ça a à peu près la même taille que l'objet qu'on a détecté depuis Mars. Attends, on dirait qu'il a changé sa trajectoire depuis tout à l'heure pour se diriger vers Mars. C'est exactement le même éjecta qu'on a vu. Comment c'est possible? Il faut 14 minutes pour recevoir un signal radio de Mars. T'es en train de me dire que quelque chose a été projeté du mont Olympe en parcourant 3 millions de kilomètres par minute? Ok, qu'il s'agisse du même objet ou non, il y a une probabilité d'impact de 50% dans un rayon de 1900 km autour de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quoi? Professeur Allison Fisher? Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce bâtiment est réservé au personnel autorisé. Je suis le général Reed de Fort Garrison, et voici le lieutenant Harris. Eh oh, attendez, attendez, général! Notre travail est confidentiel, j'ai besoin d'une confirmation du commandement, ok? Nos ordres viennent du ministère de la Défense, nous devons vérifier qu'il s'agisse d'une menace nationale. Montrez-moi ça, s'il vous plaît. Excusez-moi, général, nous n'avons pas l'habitude de donner l'accès à cette installation. Cette installation est à la pointe de la technologie, non? Oui, elle est équipée d'un système de guidage laser nanométrique, d'un télescope à champ profond et d'un laboratoire d'analyse météorique. C'est ce dont nous avons besoin pour découvrir ce que c'est, de quoi c'est fait et où ça se dirige. La NASA et les autres stations spatiales ont envoyé un signal de barrage sans réponse, On n'attend pas de réponse. Verrouillez la sécurité de la base de données de l'observatoire Falcon. Attendez un peu, qu'est-ce que vous faites? Il me faudra un peu de temps pour franchir le pare-feu de l'observatoire. Mais toutes les retransmissions sont sécurisées et protégées. Et vous ne pouvez pas arrêter notre système. Nous devons savoir de quoi est fait cet objet. Nous en ferons une analyse spectrale dans une minute. Et quelles sont ses dimensions? Eh bien, les premières données indiquent qu'il est de forme oblongue. Attendez, qu'est-ce que vous faites avec notre base de données? On ferme la retransmission internationale pour que le déploiement de nos ressources militaires ne soit pas compromis par nos ennemis. D'accord? Emmenez-nous au centre de contrôle maintenant. Bon sang! Non! Nous sommes sous la clause de sécurité de l'ONU. Toutes les données entre les observatoires doivent circuler dans les deux sens. Nous ne pouvons pas recueillir de données sur un système fermé. Monsieur, le professeur Fisher a raison. Si elle reçoit de nouvelles données des observatoires plus à l'est, elle peut devancer notre reconnaissance visuelle. Attendez! Le protocole exige que nous ne communiquions pas sur la sécurité orbitale. Bien, monsieur. Général, je vous déconseille fortement de verrouiller notre système. Je suis au courant, professeur. C'est une affaire de sécurité nationale. Général, nous avons une base de données ouverte pour une raison. Nos homologues ukrainiens ont pu capter un flux de dioxyde de carbone et de sodium une heure avant que nous puissions le détecter ici. Professeur Fisher, nous devons traiter cet objet tel qu'il est. Une catastrophe naturelle traitée par l'armée américaine. Général, cette base de données doit rester ouverte. Henri, s'il vous plaît, dites à votre sœur de ne pas confondre son expertise en astronomie avec une position de commandement. Monsieur, Henri est une reconnaissance orbitale, c'est moi qui lui dis quoi faire. C'est moi l'astronome en chef, et c'est de la physique. Plus on cherche à se défendre contre les humains, moins on cherche à se défendre contre la vraie menace. Alors je ne peux pas, et je ne vous laisserai pas entrer tant que cette base de données ne sera pas ouverte et sous mon contrôle. Elle est à vous, professeur Fisher. Elle est à vous. Faites-moi des rapports réguliers. Ok. J'ai lancé un programme open source pour m'assurer que cette base de données reste ouverte en permanence. Affirmatif. Les données sont internationales. J'aurais besoin de rapports permanents. Et je viens de recevoir un signal de détresse. Les forces spatiales et mon ancien commandant disent qu'ils n'arrivent pas à suivre cet objet. Cette chose a fait un virage à 90 degrés quelques secondes après être entrée dans l'atmosphère. Je ne veux pas faire de conclusion hâtive, mais tout ce qui dépasse un angle de trajectoire de 30 degrés est considéré comme un ovni. Ok, c'est une trajectoire inhabituelle, mais ça veut pas forcément dire que c'est un vaisseau spatial. Oh, c'est pas possible. Ça dit que l'objet ralentit. Le JPL et la NASA confirment que l'objet est descendu à 800 km par heure.
Nouvelle prévision enregistrée, 58% de probabilité que ça touche d'ici. Quelque chose d'autre a été projeté de la surface martienne. Quoi ? Il y a 9 objets qui volent en formation en V. Enfin, allez, c'est des vaisseaux spatiaux. Pentagone, niveau de commandement Oméga. Les données orbitales enregistrent l'arrivée de 9 objets. Nous avons reçu une alerte prioritaire. Toutes les autorités ont confirmé et toutes les unités sont mobilisées, en attente d'une réponse adaptée. Ok, Henri, affiche un modèle de trajectoire. Fais-en un algorithme basé sur sa vitesse actuelle. Général, entre cet objet dans notre atmosphère et ces 9 autres engins qui se rapprochent, ce n'est plus une catastrophe naturelle. Professeur, quelles sont les données sur sa propulsion? L'armée de l'air doit connaître les limites de sa manœuvrabilité. Exécute un algorithme multisource sur une trajectoire et compare-le avec tous les moyens de propulsion connus sur Terre. Fait. Cet algorithme a une valeur par défaut de 0. La signature thermique est de 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sillage atmosphérique. C'est comme s'il n'y avait pas de système de propulsion. Ok, je réduis le filtre de polarisation et je diminue l'ouverture de l'objectif. Recommence. Rien. Enfin, ce télescope ne loupe jamais rien. Harris, assurez-vous que le commandement soit prêt à faire décoller cette jet. Compris. Alerte à toutes les unités. Ici le commandant Oméga. Que tous les oiseaux soient dans le ciel. Je demande des unités terrestres sur place depuis 5 minutes. Je répète, toutes les unités en mouvement, ceci n'est pas un exercice. Ici le Vitus Spirit, nous sommes en route. Quelle est l'heure d'arrivée prévue? 40 minutes avant impact à DC. Ok, les rapports d'imagerie spectrale sont terminés et... aucune trace d'ionisation. L'image thermique montre toujours rien. Le ministère de la Défense veut des informations immédiates sur la carlingue de l'objet. On n'a pas encore de moyen de le savoir. Et d'après l'angle de sa descente, il ne se dirige plus vers Washington, D.C. Il va directement à New York. Comment on peut être sûr que ces engins ennemis ne viennent pas de Russie ou de Chine? Général, rien sur Terre n'est capable de se déplacer aussi vite sans franchir le mur du son. L'alerte de menace planétaire est déclenchée. Le ministère de la Défense envoie le capitaine Ogilvy pour gérer la logistique sur la zone d'atterrissage prévue. Peut-être que ces engins cherchent la planète viable la plus proche. La Terre. Écoutez, il y a trop d'inconnus. Si le Pentagone en donne l'ordre, tous les militaires iront l'anéantir. Attendez, son cap a encore changé. Ok, les prédictions montrent 91% de chances qu'il atterrisse au Rockefeller State Park, à 40 km de Manhattan. Nous avons besoin d'informations concrètes pour déterminer à quoi il est vulnérable. Professeur Fisher, c'est vous l'experte de Mars. Que pouvez-vous nous dire sur ce sol? Je peux lancer un scan télémétrique pour mesurer son intégrité structurale. Je peux même avoir des échantillons d'une forme de vie qui pourrait être dedans. J'ai servi sous les ordres de Ogilvy. Si quelqu'un doit aller sur la zone d'atterrissage, c'est moi. Quoi ? Tu ne sais même pas ce qu'il me faut comme données. Il me faut une étude de terrain. Exactement. C'est ce que je compte faire. Il y a 9 vaisseaux qui arrivent. Il faut qu'on fournisse des données de scan en temps réel aux troupes au sol. Je peux y aller, je peux mettre le scan en place, je peux faire un bilan, je peux faire les tests. C'est ton programme. Étant donné que Henri a un ancien statut militaire, ça nous fera gagner du temps pour lui obtenir une autorisation. Professeur, je vous conseille de nous aider à localiser ces 9 autres objets. Vous pourrez rejoindre votre frère une fois la zone sécurisée. Henri, quand tu seras sur la zone d'atterrissage, envoie-moi des télémétries de la densité de la carlingue du vaisseau et de tout ce qui pourrait être dedans. Je vais le scanner en continu. Fais attention à toi. Tu es le seul frère que j'ai. Reculez! Reculez! Allez! Fisher avec moi, retournez dans le périmètre. Le commandement a dit que l'observatoire Falcon vous a envoyé. Je me demandais quand vous alliez revenir dans les forces spatiales. J'ai adoré mon séjour sur l'ISS, mais je m'amuse plus dans l'étude de terrain. C'était un bon choix de votre part. L'ISS a été détruit, on a perdu plus d'une douzaine d'hommes. Vous saviez pas. Désolé, Henri. C'est ce que je craignais quand on a perdu le contact. On va vouloir se venger de l'ISS, vous, moi, le ministère de la Défense. Mais franchement, ça n'aurait pas de sens de forcer le combat avec ces 9 vaisseaux qui nous foncent dessus. Je suis en direct de la zone d'atterrissage, et ça fait plus d'une heure que j'ai commencé à streamer. Partez d'ici, dégagez de là! Restez connectés, si vous... Partez d'ici, cette zone est fermée, en est là, en est là! Vous
voyez ce à quoi on a affaire? Je vous le dis, tout ça risque de nous exploser à la figure en un instant. On éloigne les enfants, on fait sortir les gens de chez eux, pendant que le ministère de la Défense retient ses tirs pour réduire les risques de représailles. S'ils décident d'attaquer, quel est le plan? On se replie, on sort l'artillerie, puis les armes lourdes, excepté l'arme nucléaire. Et si ça marche pas? Capitaine, le Pentagone a dit que les 9 engins arrivent par le nord-ouest à 10 degrés. Bien reçu, Graves. Maintenez la formation de combat et gardez le périmètre. Si les armes lourdes ne marchent pas... Je sais pas. Ok. On a épuisé tous les signaux et fréquences possibles pour essayer de contacter cette chose. On n'a plus qu'un haut-parleur et un projecteur. Il faut que je sache tout ce qui est possible sur ces créatures et leurs vaisseaux. Vous devez m'amener aussi près que possible de cette chose. Je peux vous amener en première ligne, mais sachez qu'on avance à l'aveugle. On sait pas ce qui peut se passer. Il reste planté là à attendre. Vous en pensez quoi? Écoutez... Vous faisiez peur à l'entraînement, mais ça... On plaisante pas avec ça. Vous venez, vous faites vos relevés et vous partez, ok? D'accord. Prêt? Ouais. On se met en position. Monsieur, j'ai reçu une demande sur la 22e infanterie. Le commandant dit, je cite... Le général Reed a décidé d'égorger tout ce qui se trouve sur ce vaisseau. Transmettez la demande d'attaque au chef d'état-major. Dites à leur commandant de ne pas tirer, nous pourrions désamorcer la situation. Bien. Professeur Fisher, du nouveau? Henri m'envoie des données en direct. On dirait que les ondes radio sont nominales. En infrarouge, thermique, visuel, en hyperfréquence. Attendez. On a un signal thermique? Il y a du mouvement dans le vaisseau. Ok. Rappelez-vous, si ça tourne mal, le monde entier est prêt à détruire cette chose. J'ai des soldats postés là-bas, là-bas et là. Les journalistes sont à 200 mètres derrière nous, derrière une barricade. Prenez ça en cas de repli d'urgence. Merci. Ici le Pentagone. Omega pour le général Reed. Général Reed. Général, les troupes vont engager le combat contre la cible avant qu'elle ne commence sa prochaine manœuvre. Nous avons une coalition de l'armée de l'air qui effectue des manœuvres synchronisées dans toute la région nord-est. Si Falcon détecte d'autres arrivées, nous pourrons émettre un DEFCON. Bien reçu, Omega. Ok, ils sont à 8500 mètres. Ils sont en train de tourner autour de New York. Heure d'arrivée prévue dans 28 minutes. Henri, leur vaisseau se rapproche. Si tu veux entrer en contact, fais-le maintenant. Fisher, si nous n'avons rien sur ces vaisseaux d'ici 30 minutes, le ministère de la Défense risque de lancer un assaut de terre brûlée sur eux. La limite entre l'action et les infos est très mince. Omega, nous attendons vos ordres. Bien reçu. Les services de reconnaissance astronomique orienteront la stratégie jusqu'à nouvel ordre. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les vies, même par un extraterrestre. Ok. Essayez deux coups courts de lumière, puis un coup plus long. Ok. Faites pareil avec le haut-parleur. Reculez! Reculez! Ce son venait de sous le vaisseau. Qu'est-ce que... Il y a du mouvement là-dessous, mais je ne sais pas ce que c'est. Merci. L'un des vaisseaux spatiaux a atterri dans le parc. Papa, quand est-ce qu'Alison rentre à la maison? Les nouvelles disent que les vaisseaux viennent tous de Mars. Attends, Alison est toujours à l'observatoire? C'est ce que j'essaie de savoir, chérie. Et comment va ta jambe? De 1 à 10? Un bon 7, mais... Papa, je veux pas rester ici, je préfère attendre à la maison. Est-ce que Alison va devoir aller là-bas? Non, chérie. Elle étudie les planètes. Elle n'a pas à faire face à quoi que ce soit de... dangereux. Et si jamais tu lui parles, tu peux lui dire que je suis pas fâchée qu'elle n'ait pas été là pour moi. Ils disent que le vaisseau pourrait être hostile et je... Et si... Chérie... Si elle... Alice sait ce qu'elle fait. Elle est en sécurité. D'accord? Et elle sait pourquoi tu es contrarié. Papa, oh mon Dieu, regarde! C'est pas vrai, le vaisseau s'ouvre.
Henri, dis-moi ce qui se passe là-bas, maintenant! Il y a une sorte d'ouverture dans le... en dessous du vaisseau. Je crois qu'ils sortent du vaisseau. Écoute, Henri, ne fais rien de stupide, d'accord? Récupère les données et reviens. Henri, qu'est-ce que tu vois? Je crois qu'ils essaient de communiquer. S'ils agissent de manière agressive, je vais devoir ouvrir le feu. Faites juste en sorte de faire ce qu'il faut pour vous éloigner et vous mettre en sécurité, ok? D'entrer en contact. Ils existent. Une minute. C'est pas tonton Henri, ça? Capitaine, il retourne à l'intérieur. Le vaisseau a tiré et a complètement détruit toutes nos unités terrestres. À toutes les unités, éloignez-vous du périmètre à moins d'un kilomètre. Faites sortir tous les civils des environs. Monsieur, j'ai reçu la confirmation que tout ce qui se trouvait dans cette zone est perdu. Tous les hélicoptères d'assaut, toute l'artillerie, tout. Et une centaine d'hommes disparus, monsieur. Soyez prêts à évacuer. Professeur, il nous faut ces données maintenant. Henri, tu me reçois? Henri, t'es là? Aïe! Ils vont tirer dessus avec une sorte de laser. Tout est en feu! Tout s'est évaporé. T'as reçu le relevé? Oui. Oui, j'ai un relevé. C'est 5 fois plus puissant qu'un éclair. Leur système d'armes est électrique. Ils se remettent en marche. Ils vont tirer leur laser dans le ciel. Henri, t'as pu évaluer la structure de l'engin? Oui. Ils ont ouvert une sorte de sas à l'avant du vaisseau, alors qu'on aurait dit qu'il n'y avait rien du tout. Quand la créature est sortie, on aurait dit qu'elle essayait de s'acclimater à notre environnement. Et elle a changé de couleur un peu comme une pieuvre. Ok, j'ai fait un premier bilan des données que tu m'as envoyées. On dirait que leur carlingue est faite d'un alliage de calcium, de fer et de carbone. Ça réagit à une sorte de matière biologique. Mais ça rejette aussi des quantités massives de chlorine. Mais ça ne produit pas d'ozone. Et pour sa peau, t'as vu qu'il changeait de couleur comme une fièvre. Henri? Henri, tu m'entends? Omega C00, à toutes les unités. La cible... la ville... Les 9 cibles descendent à 15 000 pieds. C'est ça, commandant. La NASA. Ah, Falcon, retournez à la garnison de Bravo Post. Monsieur, ils annulent l'étude de terrain et ordonnent à tous les postes de se replier. Professeur, embarquez tout ce dont vous avez besoin et venez avec nous immédiatement. Général, je peux pas partir avec vous. Si vous voulez que je traite les données, il me faut... le télescope, les programmes d'imagerie, le laboratoire tout entier. Professeur, cette ville, toute cette région pourrait bientôt être réduite en cendres. Ils commencent déjà à évacuer la ville. Mais ma famille est en ville, je peux pas les abandonner. Je comprends, mais vous êtes essentiel à la mission. Je ne peux pas vous laisser aller dans une zone militaire active. Vous cherchez à m'enfermer? Non, absolument pas. Vous êtes une civile. Vous n'êtes pas dans l'obligation de suivre les ordres. Je vous implore de travailler avec moi. Et vous sauverez des vies. Je suis désolée, Général, mais je peux pas venir avec vous. Je peux embarquer du matériel et me faire un laboratoire de fortune une fois que ma famille sera en sécurité, mais je peux pas venir avec vous. Ok, écoutez. Prenez un toki
et restez en contact avec moi. Faites votre possible. Toutes les infos que vous aurez pourront être utiles. D'accord. Allons-y. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Henri et toi, vous êtes en sécurité? Henri était sur la zone d'atterrissage. Il va bien. Je viens vous chercher tout de suite. Si les autres vaisseaux spatiaux se dirigent vers la ville et que quelque chose vous arrive, je... Johnny va bien? Oui, elle va mieux, mais je crois que sa jambe la gêne encore. Et puis, la faire entrer et sortir du taxi ce matin n'a pas aidé. Tu peux lui dire que je viens vous chercher tous les deux. Je vais vous emmener dans le bunker de la ferme de ta famille. Il faut qu'on évacue? Ouais, il faut évacuer au plus vite. Tenez-vous prêts, j'arrive. Ok. Eh, écoute. Fais attention. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Que toutes les centrales se préparent à évacuer tous les Papa, patients qui ne sont qu'est-ce pas qui dans se passe l'état critique. On doit partir d'ici tout de suite. Allez, chérie. Est-ce qu'Alison vient aussi? Oui, elle vient nous chercher. On va aller à la ferme de grand-mère et grand-père, en attendant que ce soit sûr. C'est bon, tiens-toi à moi. Falcon Intel. Ici Fisher, vous me recevez? Falcon, ici Fisher, vous me recevez? J'avais peur que tu reviennes pas. Il y a beaucoup de gens qui font en sorte que tout le monde aille bien, moi y compris. Ali, c'est vraiment une bonne idée de fuir à travers les embouteillages. Je sais bien, mais rester ici n'est pas une bonne idée non plus. T'as vu ce qu'ils ont fait? Oui, j'ai vu. Juni aussi. Il faut partir avant qu'on soit enfermé et que les vaisseaux attaquent la ville. Comment va ta jambe? Je m'en sors bien cette fois. J'ai eu 4 nouvelles broches. Seulement 4, hein? Quand je fais des mouvements trop rapides, ça me lance fort. On va t'emmener dans un endroit sûr. Et promets-moi que tu ne feras plus de la luge sur 3 étages d'escalier. Ok, c'était un skateboard et c'était que sur un seul étage. Et c'est promis. On va vraiment réussir à sortir d'ici? Ouais. Ça ira mieux une fois passé le pont de Queensboro. Oh, ils sont là. Ils volent en formation. Centrale, ici le capitaine Fisher de Falcon Intel, vous me recevez? Capitaine, la centrale du commandement. Nous, arrive tous. La centrale, ici le capitaine Fisher. Tous nos véhicules ont été détruits. Nous avons besoin d'un ordre d'évacuation, vous entendez? Ici le général Reed, à vous, Fisher. Ici Fisher, je vous reçois. Il y a des perturbations électromagnétiques à cause des 9 vaisseaux. Sortez tout de suite! Sortez tout de suite! C'est notre seul moyen de sortir de la ville. Sortez toutes les deux, tout de suite! Plus vite! Tout va bien? Ouais, je crois. Vous allez bien? Est-ce que vous allez vers le sud? Désolé, on peut pas vous conduire ailleurs. Rebecca, on doit aller chez ma mère. Non, 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 non. Voici ma carte. Regardez, je suis un ancien officier de l'armée. S'il vous plaît, j'arrive de la zone d'atterrissage. Je travaille dans un observatoire, là où on fait des recherches sur cette attaque. S'il vous plaît. Il vient de faire fuir notre agresseur. Mais on n'a plus d'essence. On s'arrêtera pas pour prendre de l'essence. Ok, allez-y. Merci. Le premier vaisseau qui a atterri a rejoint les 9 autres. Regardez ça. J'ai tellement peur, je sais pas quoi dire. Ils sont entrés dans la ville. On ne peut pas les attaquer sans mettre tout le monde en danger. J'ai vu 50 avions de chasse tournoyer autour de nous. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On dirait que les gens se font évacuer. C'est le chaos en ville.
Le bunker est juste derrière. Fais comme chez toi, d'accord? Tout va bien? Ouais. Tu crois vraiment qu'on va pouvoir les arrêter? T'inquiète pas pour ça, pour l'instant. L'armée fait tout ce qu'elle peut pour assurer notre sécurité et j'essaie de les aider. Qu'est-ce que tu prépares? Un labo, un peu comme celui du travail. Ça ressemble pas trop à un laboratoire. Ah oui? Combien de labos t'as transporté? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les photos de ce que la NASA pense être des bactéries prises dans l'échantillon d'Opportunity, le rover sur Mars. Et ici, c'est la météorite qui a frappé la Terre il y a environ un an, et dont on sait qu'elle venait de Mars. Et ici, c'est une photo de la carlingue du vaisseau prise ce matin. Quand j'ai vu la carlingue, j'ai voulu les comparer entre elles. On dirait toutes les mêmes. Ouais. Oui, c'est parce que la carlingue du vaisseau est un alliage de fer, de calcium, de carbone et de protéines. Et les échantillons du rover et de la météorite montrent ces vacuoles de calcium, qui résultent d'un processus chimique non identifié. Mais regarde, ce processus de calcification s'est produit extrêmement vite. Ça se compte en jours et pas en années. Je pense que les extraterrestres ont envoyé cette météorite pour analyser comment notre atmosphère les affecterait. Ce qui pourrait nous donner des indices sur comment les arrêter. Allison, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une impulsion électromagnétique. Heureusement, cet appareil est protégé contre ces impulsions. Oui, mais pourquoi ils ont tiré vers le ciel? Eh bien, leurs armes dégagent une énorme charge électrique, mais peut-être qu'ils font ça intentionnellement. Ils déclenchent ces impulsions pour couper l'électricité le plus possible. Ali, tu me reçois? Ici Henri. On dirait qu'il se dirige vers l'est. Tu peux confirmer, Ali? Un signal? Rien. C'est HS. Allison, t'as vu ça? Nos armes les ont à peine éraflées. C'est comme s'ils avaient une sorte de bouclier. Henri a réussi à obtenir un relevé de l'explosion du rayon thermique du vaisseau. Il a dit que la charge était électrique, mais qu'elle ne produisait pas d'ozone. C'est pas l'odeur qu'on sent après un coup de tonnerre? Si, c'est ça. Mais ça... ça produit une tonne de chlorine. Ok. Donc, ils envoient de l'électricité directement dans l'air, non pas pour créer de l'ozone, mais parce qu'ils savent qu'ils vont réagir au sodium présent dans la vapeur d'eau de notre atmosphère. Ils essaient de créer leur propre chlorofluorocarbone. Pour détruire notre couche d'ozone. Ouais, mais pourquoi ils voudraient faire ça? Parce que Mars n'a pas de couche d'ozone. Ils savent qu'ils ne survivront pas s'ils n'arrivent pas à transformer la Terre en une nouvelle planète Mars. Avec l'élimination de l'ozone, l'appauvrissement de l'azote, l'amincissement de l'atmosphère. C'est pour ça qu'ils ont des boucliers. Parce qu'ils savent que leurs systèmes organiques vont se détériorer lorsqu'ils seront exposés à notre atmosphère, en laissant derrière eux les dépôts du calcium comme ceux que l'on voit sur cette photo. Les appareils électroniques ont été mis hors service par une impulsion électromagnétique. Comment une impulsion électromagnétique peut mettre une voiture hors service? Je saisis pas. Une impulsion comme celle-là a une grande portée. Elle affecte le champ magnétique de la Terre. C'est comme une éruption solaire ou une bombe atomique. Vous êtes en train de dire qu'ils ont fait exploser une arme nucléaire? Oh, non, non. Ils nous auraient éliminés avec ça. Écoutez, le ministère de la Défense
essaie toutes les manœuvres tactiques pour trouver une bonne défense. Lâcher une bombe nucléaire sur la ville de New York n'a aucun sens pour le moment. Ma mère est dans une maison de retraite sur l'île. Alina, cette odeur est beaucoup plus forte ici, on va se faire empoisonner. Non, écoutez, au vu de leur technologie avancée, s'ils avaient vraiment répandu une sorte de poison, ils nous auraient déjà tous tués. Écoutez, on peut atteindre l'observatoire, c'est protégé par des militaires. Et une fois en sécurité, on pourra aller chercher votre mère. Alina, t'as vu la vidéo de ce que ce vaisseau a fait à ces hélicoptères? Et là, il y en a 10. On n'a pas de talkie, la batterie de la voiture est morte, l'observatoire n'est qu'à quelques kilomètres. Il est temps de marcher. Merci de nous conduire à l'observatoire. Et merci de nous avoir aidés. Merci de m'avoir conduit. Je comprends pas pourquoi ils nous attaquent. Puisqu'il n'y a pas eu plus que les 10 vaisseaux initiaux, je pense qu'ils utilisent la ville de New York comme un essai pour une attaque plus importante. Alors ça veut dire qu'ils ont l'intention de rester ici. Et s'ils ont l'intention de rester ici, ils vont devoir rendre cette planète beaucoup plus habitable, comme sur Mars. Vous savez qu'ils viennent de Mars ? Grâce à nos télescopes, à l'observatoire. Leurs vaisseaux produisent un gaz chloré qui élimine l'azote. S'ils veulent rendre la Terre plus habitable, ils vont devoir éliminer l'ozone de notre atmosphère. Mais ça va leur prendre un temps fou, non ? Parce qu'ils sont que 10. Pas nécessairement. Parce que leurs vaisseaux produisent un gaz chlorofluorocarbone. Ce gaz peut rapidement détruire notre atmosphère. Et s'ils veulent que la Terre soit plus habitable comme sur Mars, ils vont devoir éliminer l'ozone et ne laisser que l'oxygène. Et ça affecterait la masse de la planète entière ? C'est juste impossible. S'ils enflamment l'oxygène, ça consumera les océans. Et la Terre est constituée d'océans. Et l'attraction gravitationnelle de la Terre sera la même que celle de Mars. Je peux pas obtenir ce dont j'ai besoin ici. Je dois y retourner. Qu'est-ce que tu fais ? Je dois retourner à l'observatoire. C'est le seul moyen. Quoi ? Écoute, on est en sécurité ici pour un moment, mais pas pour longtemps. Ils étaient entourés par des soldats, par l'armée de l'air, par des armes lourdes qui leur tiraient dessus pour essayer de les arrêter, et ça ne leur a rien fait. Allez ! Et là, ils se déplacent. On ne sait pas où ils vont, à quelle vitesse ou ce qu'ils peuvent faire d'autre. Mais on sait qu'ils veulent nous anéantir. Autant que faire se peut. Quelqu'un doit les arrêter. Allez. Je dois les arrêter. Allison, tu ne peux pas retourner là-bas. Non, écoute. Quand ils nous ont évacués ce matin, je pensais vraiment que l'armée allait les anéantir. Je pensais qu'ils le pourraient. Mais j'ai eu tort. Écoute, ils m'ont envoyé un de leurs meilleurs généraux ce matin, parce que la NASA ne sait pas ce qu'ils font. Ils m'ont consulté. Le seul moyen pour que les extraterrestres ne vous fassent pas de mal à toi et à Juni, c'est de les arrêter. J'ai étudié Mars durant toute ma vie. Je peux les battre. Tu comprends ce que je dis ? Allez. La voiture est au sous-sol. Elle n'a pas dû être touchée par les impulsions. Allison, fais pas ça! Chérie, je sais. Mais il faut rester fort pour traverser cette épreuve ensemble. D'accord, génial. Vous serez en sécurité ici, ok? Je reviendrai.
J'arrive pas à remettre nos systèmes de communication en marche. Nous devons établir un nouveau périmètre en dehors de la ville. Non. Non. Vous l'avez bien vu, nos troupes ont été vaincues à chaque fois qu'elles ont voulu les attaquer. Monsieur, le ministère de la Défense a fait évacuer plusieurs installations militaires dans l'état de New York. Par un convoi direct jusqu'au Pentagone. Nous devrions peut-être envisager de faire de même. Ils ont fait évacuer ici ? Non, monsieur. C'est que certains autres officiers ont recommandé... Quoi ? Que nous évacuions ? Non. Jusqu'à ce que le Pentagone en donne l'ordre. On reste. Sortez les données de l'observatoire. Oui. Lieutenant. Lieutenant, écoutez-moi bien. On peut fuir. Je sais. On peut fuir. Ou on peut rester et défendre la vie des gens. Ces créatures ont un bouclier énergétique et rien n'arrive à les percer. Mais ils ne sont pas parfaits. Je me fiche de contre quel ennemi on se bat. Personne ne possède de ressources illimitées. Nous allons découvrir leurs faiblesses. Et nous l'utiliserons pour les détruire. Ici Fisher de l'Observatoire Falcon. Fisher de l'Observatoire Falcon, vous me recevez ? Madame, qu'est-ce que vous faites ici ? Je dois retourner. Tous les habitants de New York doivent évacuer ou se mettre dans un abri. Vous ne pouvez pas circuler ici. Je connais le général Reed qui est à l'observatoire Falcon. Je suis le professeur Allison Fisher. C'est une zone de guerre. Vous n'êtes pas du personnel autorisé. Ok. L'observatoire est assez loin, à environ 8 km. Est-ce que quelqu'un a pu rétablir la communication ? Il y a des générateurs. La plupart sont HS. Mais... on a pu recharger certains Tokiwaki. Ils se regroupent. Ils se sont séparés, nous ont attaqués, et ils se regroupent. Les tripodes, c'est comme ça qu'on les appelle. Ah ! Easton, vous voyez quoi ? Ils sont à environ 3 km de moi, sergent. Je les ai vus au-dessus de la limite des arbres. Oui. Ils ont commencé à attaquer des zones résidentielles. C'était... une vraie boucherie. Nous n'avons pas pu battre en retraite assez vite. Des avions qui tombent du ciel, des corps qui jonchent le sol, tels des ombres, des cendres, il y en avait partout. Vous avez entendu ? Ils sont à 3 km par là. Pourquoi voulez-vous voir le général ? Je dois aller à l'observatoire. J'ai des informations sur les Martiens qui pourraient nous aider à développer une arme efficace contre eux. Mais je dois aller au labo de l'observatoire pour lancer les tests. Ici le sergent O'Leran à Intel One. Intel One, je vous écoute. Le professeur Allison Fisher demande un convoi pour la salle des opérations. L'ennemi s'est approché à 300 mètres de l'observatoire il y a une heure environ. Sans avion ni satellite, nous ne pouvons pas dire si l'observatoire est encore debout. Sergent, est-ce que l'une de vos unités a pu infliger des dégâts aux tripodes ? Pas de ce que j'ai vu, mais nous les aurons. Nous envoyons des tanks avec des gros canons. Vous n'en avez jamais vu de tels auparavant. Des engins top secrets. Il faut que vous m'emmeniez en première ligne. Vous ne voulez pas voir de quoi ils sont capables. Je sais exactement de quoi ils sont capables, mais pour l'heure, je dois m'approcher suffisamment d'eux pour les étudier, pour connaître leur mode de fonctionnement et leurs faiblesses. Dans le cas contraire, nos armes n'arriveront même pas à les érafler. On doit y aller maintenant. Regardez !
Ils vont se remettre en marche, cachons-nous! Ils vont tirer dans l'atmosphère! À couvert, à couvert! En arrière! Ne bougez pas! S'écarte les uns des autres. Ils vont attaquer. Je saisis pas. Nos armes ne les affectent même pas. Avec les armes qui arrivent, si. Restez bien ici, en sécurité. Vous devez aller à l'observatoire. Attendez, vous allez où? Ce sont mes hommes. Je dois les aider. Attendez, non! Aidez-moi, s'il vous plaît! Détachez-moi! Je vous en prie, aidez-moi! Venez! Enlevez ça! Je vous en prie, aidez-moi! Tirez! Détachez-vous! Détachez-moi! S'il vous plaît! Tirez! Je vous en prie! Non, non, non! Non, non, non. Avancez! Allez, vite! Ces créatures, ou quoi qu'elles soient, comment elles ont réussi à démolir un pont entier? On aurait dit qu'ils étaient attirés par nous comme pour nous tuer. Ok, attendez. Je crois qu'ils sont attirés par tout ce qui est organique. Ils sont comme les vignes kudzu sous stéroïdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais basé au Japon, ils avaient ces vignes, les vignes kudzu. Et les habitants devaient constamment les tailler ou les tuer, peu importe. Sinon, elles envahissaient le village. Donc les Martiens ont semé une espèce invasive? Ils essaient, tout du moins, oui, c'est ça. En se nourrissant d'azote, ils pourraient terraformer cet endroit en une semaine. Ok. Merde. Restons à la limite des arbres et restons silencieux. Courez ! Allez ! Allez, là-dedans ! Venez, venez ! On y va, vite, 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 vite! Par ici, dépêchons-nous! Allez, entrez! Entrez vite! Il faut mettre des chiffons sous la porte et bloquer les fenêtres! Il y a encore des gens dehors! Non, n'ouvrez pas! N'ouvrez pas la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Mais je dois retourner à l'observatoire où toutes ces données n'auront servi à rien. Repassez la séquence de Central Park. Regardez! Ici, AF-35 entre collision avec le bouclier, sans effet sur le vaisseau spatial. Attendez, mettez en pause. C'est quoi? Ça doit être une interférence sur l'écran. Il peut pas gérer toutes les images en haute résolution de l'ordinateur de l'observatoire. Ça dépasse le vaisseau. C'est quoi la résolution de cet ordinateur? 1080. Et c'est des longueurs d'onde d'interférence, lieutenant? Le bouclier énergétique vibre à une fréquence incroyablement élevée. Si les armes conventionnelles ne fonctionnent pas dans une fréquence aussi dense, alors même les radiations ne pourront pas passer. Il faudrait quelque chose qui pèse. 400 kilojoules, au moins.
et à Hertz ultra élevé. Nous avons bien des armes laser ici et au Pentagone. Toutes nos armes laser militaires ont été désactivées par l'impulsion. L'observatoire Falcon a un laser. On peut le modifier pour leur tirer dessus. En théorie, nous pourrions acheminer toute l'énergie vers le laser et le recalibrer pour qu'il tire à une fréquence extrêmement élevée. Mais tous les systèmes de l'observatoire sont arrêtés à cause de l'impulsion. C'est pas grave. Envoyez une alerte urgente sur leur réseau, toutes les 15 minutes. Donnez-leur les instructions. Espérons juste que l'un d'entre eux reviendra à temps pour les recevoir. Bien. Par ici, par ici. Baissez-vous, baissez-vous. Je sais où trouver un abri. Je m'appelle Chris. Allison. C'est les ordres. On était sur le pont sud, quand ces gigantesques vignes rouges ont fait tomber le pont tout entier. Quelques autres s'en sont sortis, mais ces machines ont continué à nous poursuivre et nous tuer en troupeau. Ils nous ont traqués, ils nous ont tués depuis le pont. Ils nous ont suivis jusque dans les arbres, ils ont commencé à nous manger. Attendez, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore pulvérisé la planète pour s'installer. Ils n'ont pas de nourriture, ils doivent nous manger pour survivre. Vous avez dit que les vignes étaient rouges et qu'elles bougeaient indépendamment? Oui, elles sont juste sous... Chut. Je suis mécanicien aéronautique. J'ai travaillé pour une entreprise du Nouveau-Mexique pendant plus de 30 ans. Le moteur semblait intact de l'extérieur. La jauge de carburant afficherait vide s'il y avait une fuite. Cet avion est HS à cause d'un circuit cassé lors de l'impact. Et en général, il y a une petite trousse à outils au-dessus du siège du copilote pour les réparations d'urgence. Si vous pouviez me donner un coup de main... Que ces choses s'éloignent. Vous pourrez colmater la connexion au régulateur de carburant. Chris, faites moins de bruit. Je suis sûr qu'ils sont partis. Il va commencer à se coucher. Il bouge même pas, il est... C'est comme s'il était au garde à vous. Je peux pas rester ici. Je dois aller à l'observatoire. Mais si l'un de nous sort, il va venir nous cueillir directement. On peut pas rester là en attendant qu'il nous tue.
dirait qu'il... qu'il garde l'avion. On va devoir rester ici jusqu'à ce qu'il parte. Restons silencieux. Chris, où allez-vous ? Chris ! Chris ! Qu'est-ce que vous faites ? On dirait qu'ils ont des sandwichs à la dinde. Vous en voulez ? Le radio du cockpit est cassé. Mais je peux réparer quelques fils court-circuités. Il vaut mieux attendre qu'il soit parti avant de faire ça. Mais bonne idée. Vous avez l'air de souffrir. Oui. Ça fait encore très mal. Ok, attendez. Voilà. Alors, levez le bras. Ah, ça pique encore. Ça pique encore. Vous pensez que ces créatures tripodes dorment ? Les yeux. Essayez de vous reposer. Je prends la première garde. Non, non. Je la prends. Vous êtes avec le ministère de la Défense. Vous devez être en forme. Je prends la première garde. Je vous réveillerai dans quelques heures. Sur quelque chose dehors. Chris ! Chris, non, on doit y aller ! J'ai réparé l'avion. On partira pas sans se battre. On va voir s'ils peuvent arrêter un missile volant. Non, Chris, revenez ! Folle si je reste ici à rien faire. Fais attention à ta jambe. Je sais pas ce que ces choses ont fait, mais l'installation électrique est complètement HS. Tout comme le générateur. Il me faudrait des jours avant que j'arrive à réparer tout ça sans un électricien. Tonton Henri peut tout réparer. Ouais, je peux aussi le faire, si j'avais tout mon temps. Alors quoi, ton emploi du temps est trop rempli ? Complètement. Eh, vas-y doucement. Va pas te blesser à nouveau. Je sais que tu t'ennuies et que tu veux donner un coup de main, mais pas besoin d'en faire trop. Tu crois qu'Alison va s'en sortir ? Je l'espère, Juni. Il faut qu'on attende qu'elle revienne. Elle va revenir. Whoa!
Dieu! Il y a un bras d'une machine! Un couvert! Au sol! Junie, il t'a fait mal? Non, non, je vais bien. Il m'a pas fait mal. Tout va bien? Oui, oui, oui. Doucement. On aurait dit que quelque chose l'appelait. Quoi qu'il en soit, papa, tu m'as sauvé la vie. T'as été incroyable. Repose-toi un peu. La fumée s'est dissipée. Très bien. L'observatoire est à 1 kilomètre de la route principale. Désolé, mais on peut pas venir avec vous. Même si c'est toujours dangereux à Manhattan, on doit y aller. Merci pour votre aide. Merci de nous avoir aidés. Faites attention. Ali ? Tu es là ? Allez, ici Henri. À toi. Ali. Ici Henri, tu m'entends ? Donne-moi un signe, s'il te plaît. Donne-moi un signe. Montre-moi que tu es là. Ali. Je vais à la salle des machines. Vérifier l'éclairage. C'est parti.
Ali. Henri. Oh mon Dieu. Je suis si contente de te voir. Où sont Juni et Mark? Ils vont bien? Je l'espère. Je les ai laissés à la ferme. Je sais pas s'ils vont bien. Mais Henri, j'en ai vu un. J'ai vu un des Martiens. Quoi, hors de leur machine? Ouais, en face à face, à l'extérieur de leur cockpit. Attends, tu as vu les lianes rouges? Ouais, il y en a une qui a essayé de m'étrangler. Elles ont essayé de nous tuer sur le pont sud. Qui ça, nous? Eh bien, j'ai passé la journée d'hier à voyager avec deux filles. On a fait la route ensemble et j'ai passé la nuit dans un chalet. Tu t'es caché où? Longue histoire. Mais tu sais quel est le but des Martiens? Oui, ils essaient de transformer la Terre en une nouvelle planète Mars. Ils essaient de détruire tout l'azote de l'atmosphère en implantant des cultures qui l'absorbent. Une fois qu'ils n'auront plus que de l'oxygène, ils enflammeront l'atmosphère pour faire s'évaporer tous les océans. Tout ça pour réduire la masse de la Terre. Ouais. Et ils veulent en plus détruire toute notre couche d'ozone pour faire de notre planète leur nouvelle maison. Ok, j'ai prélevé un échantillon il y a environ une heure sur un spécimen noir jet, ok? Si ma théorie est bonne, lorsqu'il sera exposé à des bactéries, il deviendra blanc et mourra. J'ai vu ce phénomène lorsque ce Martien a mangé un homme qui avait un bras infecté. Burke. Il est devenu blanc et est mort en quelques minutes. Une alerte? J'ai ouvert la fenêtre du forum, ça date d'il y a 12 heures. Alors, attends, tout le système est brouillé. Il faut le laisser tourner avant de pouvoir le redémarrer, donc. Très bien. Mars a une teneur en oxygène deux fois moindre que celle de la Terre. Donc ces espèces doivent surproduire de l'hémoglobine pour absorber autant d'oxygène que possible. Donc comme notre sang, le fer est essentiel pour l'absorption de l'oxygène. Donc ils en créent deux fois plus. Tu as pu faire un scan de leur peau avant la première attaque, tu te souviens de ça? Oui. Il y avait du calcium, du carbone, des protéines et du fer. Donc je suppose que quand ces créatures meurent, leur système vasculaire s'arrête et draine tout le fer de leur corps. Un peu comme notre système lymphatique qui rejette des fluides. Ouais, je pense aussi. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'isoler les bactéries auxquelles les Martiens sont vulnérables. Quand le fer s'échappera, il ne restera plus que le calcium, ce qui les rendra blancs comme quand ils sont sortis de leur vaisseau. C'est ça. Ok. On peut passer chaque bactérie une par une dans notre base de données. Jusqu'à ce qu'on arrive à identifier quelle bactérie est suffisamment acide pour détruire le tissu cutané. Ok, d'accord, mais comment on sait si ça va marcher? Parce que leur structure vasculaire est un système hermétique, tout comme la nôtre. Sur Mars, ils ont besoin de deux fois plus de fer pour envoyer de l'oxygène, ok? Ok. Ça fait donc deux fois plus de globules rouges. Il reste que la moitié du volume aux globules blancs, Henri. Ils n'ont pas de système immunitaire. Ok, donc, j'ai isolé une seule bactérie. Exécute le programme et dis-moi ce qu'il identifie. Ok, c'est parti. Le programme dit Clostridium perfringens. Nom commun, gangrène. C'est parfait. Ah oui? L'extraterrestre sur lequel j'ai prélevé l'échantillon est mort quelques secondes après. Il devait y avoir que des traces de gangrène. Ok, c'est pas ça. Non. On recommence. On va essayer avec un autre échantillon. Ok. T'es prêt? Oui. C'est une bactérie pléomorphe, une bactérie commune transmise par le sang. Bon, on n'a rien à perdre. Ça ne donne rien. Il doit y avoir au moins 12 souches de bactéries sur cet échantillon. C'est pas vrai. Il se rapproche. On peut en faire 3 ou 4 à la fois? Non, malheureusement, ça compromettrait les résultats. Ok, vas-y. Ok, ça c'est un streptocoque commun. Voyons. C'est ça? Ouais. C'est ça? Oui, mais non, attends, c'est juste le premier échantillon. On va revérifier. Je recommence l'expérience. Et... C'est ça! C'est celle-ci! Ça. C'est le streptocoque! Oh non! Si je suis terminé, il y a encore des pilotes dans les airs. Je vous reçois, Spirit, ici Rex, terminé. Bien reçu, Rex. J'ai un visuel sur les tripodes. La charge est amorcée. C'est près de la ville. Vous êtes sûr? Rex! C'est fini. À mon place, suivez-moi ces enflures. Thank you.
toi. Tout le système a planté à cause de la dernière impulsion, il est toujours en cours de formatage. Qu'est-ce que ça dit? Il y a 4 colonnes. Dans la première, 400, puis 400, et ça se répète tout du long. Ensuite, KJ, KJ et encore KJ. Ok, c'est pour les kilojoules. Boum! C'est bien un combat par le feu, et ils se rapprochent de nous. J'imagine qu'il y a des troupes sur le terrain qui doivent essayer de tenir leur position. Que dit la troisième colonne? 18, 18, 18, 18, et ensuite KHZ, KHZ pour kilohertz. Ça décrit les rayons de chaleur? Non. C'est 5 fois la force d'une décharge électrique. Le cycle électrique n'est pas aussi rapide, c'est basé sur la lumière. Ça disait quoi sur les kilojoules? Le 400 reste 400, et le 18, c'est 5 fois la fréquence d'un rayon lumineux. Si ça parle pas d'un rayon de chaleur, ça parle d'un laser. Ok, ok, dans la dernière colonne? Juste Reed. Encore et encore, toutes les 15 minutes pendant des heures. Le fait qu'il y ait une fréquence correspondant à un laser de forte puissance me dit que c'est une arme qu'on peut utiliser contre les extraterrestres. Donc si on pousse notre laser à fond, on pourrait briser leur bouclier énergétique. Enfin, en théorie, oui, ça pourrait. Ça pourrait, oui, c'est possible, c'est possible. Notre laser est conçu pour la reconnaissance. C'est pas censé être une arme. On pourrait tirer peut-être une fois, ou peut-être deux. Et après, tout va exploser et on deviendra des cibles faciles. Pas faux, et si tu arrivais à tirer sur l'un d'eux en ouvrant une brèche, je pourrais utiliser leur système de diffusion de fumée pour tirer sur les autres. Tu parles de monter dans leur machine? Ouais. En récupérant l'échantillon, j'ai vu le conteneur de fumée dans son cockpit. Je pourrais utiliser les bactéries pour faire une dose mortelle. Je pense que 500 unités par millilitre devrait suffire. Ouais, je pourrais en pulvériser dans le système de distribution de fumée du tripode, puis tirer sur les autres. Oh mon Dieu! Si on répand cette fumée, ça pourrait te tuer. Non, on a les équipements du labo. On a des masques de protection chimique, le pulvérisateur qu'on utilise pour les météorites, on a de quoi se protéger. D'accord. Tiens, attends. Parfait, remplis-le jusqu'en haut. Le temps qu'ils arrivent, on en aura fait une bonne quantité. Ok. Et ça marche. Il faudrait pouvoir les attirer ici. Le système de sonorisation. Si tu approches le micro assez près du récepteur, le signal est renvoyé. Tu crois que ça peut marcher? Ça n'aura pas l'air humain. C'est un streptocoque, fais attention. Faisons un essai. Voyons s'il mord à l'hameçon. Ah ! Ah ! Ils Ali, l'alimentation du laser est au maximum. Les ressources énergétiques disent que ça va tenir. Je les vois. Ils sont au-dessus de la limite des arbres. Tu emmènes la solution, je sors du bâtiment. Merde. Ali, n'y va pas, ça n'a pas tenu. Le circuit n'a pas tenu, n'y va pas, ne bouge pas. Henri, on n'a plus le temps. Ils vont être à portée de tir de leur rayon d'une seconde à l'autre. Rediriger toute l'énergie de tout ce qui n'est pas le laser. Je ne sais pas combien de fois,
Je peux tirer avec cette chose avant qu'elle n'explose. Fais-le, c'est notre dernier espoir. Quelle est leur trajectoire? Dirige le laser vers l'est. Tu vas bientôt les voir arriver. Voilà. Ok. Je l'ai en visuel. Il est dans ma ligne de mire. Ali, tu es là, fais-moi un signe, je t'en prie. Prêt à tirer. De laser depuis la base. On a deviné que vous essayez de les éliminer. Encerclez-les! Par ici! Par ici! Par ici! Regardez par là!
Ali. Oh. Je savais que tu y arriverais. Viens. Viens, assieds-toi. Je te l'ai dit, t'es le seul frère que j'ai. On l'a fait. Je le savais. T'es très maligne. Une particularité de la famille. Tais-toi, Henri. Jamais. Oh. Comment va ta jambe? Beaucoup mieux. Tout va pour le mieux. T'as raison. Tout va pour le mieux. Hé, hey, comment tu vas? Oh, mon Dieu.